The city, the system, all these restrictive rules. This is our place. We are the ones in power. This is what we ride for. En 1973, Triumph nous en mettait déjà plein les yeux avec l'Hurricane, célèbre et rare 3 cylindres à l'esprit roadster. Des années plus tard, Triumph continue le rêve du 3 cylindres avec la nouvelle Speed Triple. Bonjour, bienvenue sur Motor Live. Après ce petit tour dans le passé avec cette Hurricane, là on se retrouve sur une autre Triumph, cette toute nouvelle Speed Triple 1050R. C'est parti pour l'essai. Les premières impressions tout au début du roulage avec cette Triumph 1050 Speed Triple. Déjà une moto facile hein, avec un moteur très coupleux, très agréable et puis une partie cycle assez rigide, en tout cas sur la route. On verra ça tout à l'heure sur circuit. Et puis aussi des suspensions qui absorbent pas mal, hein. Elles sont rigides tout en étant assez confortables et ça c'est pas mal. En tout cas tout de suite on voit les rétros. C'est superbe, c'est bien dégagé de chaque côté des épaules, donc bonne visibilité vers l'arrière. En revanche, dans les embouteillages et pour remonter les fils, à mon avis, ça sera un peu plus compliqué. Donc, il faudra peut-être essayer d'avoir une option avec des rétros plus classiques. Et puis, il y a un truc un peu embêtant, c'est les modes. On s'y perd un peu, il y en a beaucoup. Il y a 5 modes différents et on s'aperçoit quand même que le mode ou rider ou track, c'est le mode qu'il faut utiliser parce que les autres... Ça limite beaucoup, beaucoup la puissance du moteur. Le bras oscillant est toujours confié à un très esthétique monobras qui confère un design résolument sportif à la Speed Triple. Autre élément qui confirme que la nouvelle Speed ne renie pas sa prestigieuse lignée, les deux silencieux placés sous la selle, c'est plus lourd, mais esthétiquement, c'est parfait. Nouveau à 70%, le 3 cylindres de 1050 cm3, revu sur 104 points, développe maintenant 140 chevaux à 9500 tours minute et pas moins de 112 Nm de couple à 7850 tours minute. Pour contenir cette fougue, hormis les différents modes cartographiques, la nouvelle Speed Triple est bien pourvue en matière de freinage. Elle bénéficie d'un double disque flottant de 320 mm à l'avant, pincé par des étriers radio à 4 pistons. À l'arrière, le freinage est confié à un simple disque de 255 mm et un étrier Nissin à 2 pistons. Brembo est aussi présent au guidon puisqu'on lui doit le levier réglable. Alors, sur les trajectoires, on voit que cette machine elle est très très précise, notamment à la prise de frein. Hein, ça freine très fort, il faut appuyer doucement sur le frein. On a un ABS déconnectable, ça sera pas mal sur le circuit. On sait qu'en moto, hein, c'est le frein principal, c'est le frein avant, mais là, il y a quand même, comme d'habitude, on va dire, même sur les anciennes versions, c'était le cas, presque pas de frein arrière. Donc on va voir si c'est pas un petit peu handicapant tout à l'heure sur circuit quand il faut s'en servir pour diriger un peu la moto. En revanche, il y a toujours ce bruit hein, du 3 cylindres Triumph qui est un bruit excitant, agréable. C'est super sur les accélérations. Au niveau de la position, on a un grand guidon. Ça veut dire qu'on prend beaucoup beaucoup de vent, on n'est pas du tout planqué, mais c'est une machine où on peut quand même se reculer, où on fait bien corps avec et on arrive à bien bouger en enchaînant les virages. Il y a un petit saut de vent juste au-dessus du phare, donc ça dégage vraisemblablement un peu d'air, mais bon, on n'est quand même pas du tout carréné. Le réservoir a été aplati et amputé de 2 litres de contenance par rapport à la version précédente. Sur la version R, il se pare d'éléments carbone.
du carbone qui compose aussi le garde-boue avant. Toujours sur notre version R, la selle en deux parties dure mais bien dessinée est capable d'accueillir un bloc disque dans le logement de la trousse à outils. Le poste de pilotage est simple. Le commodo droit, outre le démarreur et le coupe-contact, reçoit le bouton de warning. Le commodo gauche, quant à lui, permet de choisir les modes cartographiques et de naviguer dans les infos que distille un tableau de bord qui mêle à la fois digital et analogique. Première sur une Speed Triple, un indicateur de rapport engagé fait son apparition. Enfin, un soin particulier a été apporté à l'éclairage. Le double optique avant est toujours là, mais il s'agrémente maintenant de feux de jour à LED que l'on peut choisir d'éteindre au guidon. Les clignotants sont eux aussi à LED. Cette Triumph coûte 13 800 €. Elle a des suspensions avant et arrière Ohlins, des freins Brembo, son moteur développe 140 chevaux, on a des Pirelli Super Corsa, on va l'essayer sur circuit. Pour revenir en détail sur l'amortissement, la version R est mieux pourvue que la Speed Triple traditionnelle. Elle profite d'une fourche inversée Ohlins de 43 mm, réglable en précharge, rebond et compression. À l'arrière, on peut apercevoir un autre élément Ohlins, un amortisseur bitube, directement issu du MotoGP, réglable lui aussi en précharge, rebond et compression. Pas mal du tout hein, cette Triumph Roadster sur circuit. Alors évidemment, il y a de très bonnes suspensions, hein, digne d'une moto sportive, mais elle est très stable au freinage, ça c'est important. Même si toutefois, quand on prend le frein avant, elle descend tout petit peu vite à la prise de frein, mais c'est quand même une moto qui est très très saine, qui est collée par terre. À la réaccélération, on sent vraiment la roue arrière grâce au moteur hein, 3 cylindres avec beaucoup de coffres à bas régime. C'est pas la peine de monter trop haut dans les tours parce que justement elle prend peu de tours. Hein, donc on travaille plutôt sur circuit, sur les moyens régimes. Alors la boîte de vitesse, très très bien, même si en termes de position sur circuit, parfois dans les longs virages à gauche, on a du mal à aller chercher le sélecteur parce qu'on n'a pas vraiment la position, bien sûr, d'une moto sportive. En tout cas, c'est une moto très très saine, efficace et en tout cas, très amusante sur circuit. Eric, quand on discute avec l'ingénieur de cette machine, il dit qu'on pourrait avoir 160, 170 chevaux sur cette moto. C'est vrai que sur circuit, bon, bah 140, c'est pas beaucoup. 140 chevaux, c'est amplement suffisant sur ce qu'on souhaite faire avec cette moto. C'est pas une moto, c'est pas une bête de course. Tu vas pas aller faire des chronos avec la moto sur circuit. Les 140 chevaux sont exploitables et utilisables au quotidien et aussi sur circuit. Tout l'ensemble mécanique de la moto, suspension, ce qu'elle a en électronique, font qu'effectivement sur circuit, bah écoute, elle va vraiment très très bien. Bah, Eric, alors attends, tu dis pas de course à la puissance, mais vous avez quand même une moto qui fait 1000 chevaux et qui va peut-être faire 700 km/h bientôt. C'est autre chose, tu sais qu'effectivement Triumph, en 56, a battu pour la première fois le record de vitesse sur deux roues. C'était il y a 60 ans, on va tenter,
de se réapproprier ce record en 2016, 60 ans après, au lac Salé de Bonneville, avec une machine hors norme, puisqu'elle est propulsée par deux moteurs de Rocket 3 qui font effectivement 1000 chevaux. Et on va tenter d'atteindre plus de 400 miles, voire 700 km/h. Bon, Eric, en tout cas, merci pour cet essai. Super moto, super temps, hein, alors qu'il fait très froid à Paris. Là, on a eu 15 degrés pour faire du circuit, c'est extraordinaire. Merci. Merci.